Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo technique. Donc on pourrait dire tuto, mais voilà, je pense qu'il y a plein de méthodes pour faire cet effet et je ne suis pas sûre que j'ai la méthode référencée, mais en tout cas une des méthodes qui est celle que moi j'utilise pour réaliser un effet vert, un effet de transparence. Donc je vais mettre en couleur avec vous le petit vase. Bon, j'ai déjà commencé à faire les éléments avant de me dire que j'allais faire l'effet vert, mais c'est pas grave, ça ne posera pas de problème. Et en fait, c'est la technique pour réaliser l'effet de transparence comme par ici, par exemple, avec des éléments à l'intérieur d'un verre, à l'intérieur d'un vase, avec des liquides, etc. pour donner vraiment l'impression que l'élément n'est pas posé devant, mais bien à l'intérieur. Donc vous avez un exemple ici. Donc pour faire cet effet, je vais utiliser les Procolor de Derwent, mais on peut utiliser n'importe quel crayon. Alors moi, je privilégie dans ces cas des crayons durs, des crayons qui s'utilisent par couche, puisque la base de cet effet, c'est tout simplement le couche par couche. Pour réaliser cet effet, on va commencer par mettre en couleur les éléments opaques qui sont à l'intérieur des éléments transparents. Par exemple, ici, nous avons les tiges qui sont à l'intérieur de l'eau, parce que les tiges trempent dans l'eau, et l'eau est elle-même à l'intérieur du flacon en verre. Donc on commence par les éléments opaques qui sont les tiges. On a les petits cœurs qui pourraient être considérés comme posés sur le verre, mais moi j'aime l'idée de me dire qu'ils sont en suspension dans le liquide également. Et eux aussi, à mes yeux, sont opaques. Donc je crée d'abord mes éléments opaques, parce que tout ce qui sera derrière, de toute façon, ne sera pas visible. Et ainsi, j'ai ma première couche de crayon. C'est pour ça que je vous dis, le fait que j'ai déjà fait ça ne pose pas de problème pour le tuto. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc voilà, mes éléments opaques ont été mis en couleur. Et là, je vais commencer à faire ce que j'appelle ma première couche. Donc si on prend dans l'ordre, on a les éléments opaques, le liquide et ensuite la surface qui est par-dessus. Donc là, je vais simplement commencer à faire le liquide à l'intérieur. Donc là, je vais faire un liquide plutôt bleuté, pas trop foncé. Donc, je suis en train de regarder les couleurs que j'ai. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux crayons-là pour le moment. Donc, nous avons la teinte Light Blue 37 et la Sky Blue 38, donc de chez Derwent Procolor. Mais vous pouvez utiliser les crayons que vous souhaitez et les teintes que vous voulez. Donc moi, c'est celle-ci et celle-ci. Ce sont ces deux teintes-là. Donc comme vous voyez, le bleu est un bleu vraiment très très clair. Mais c'est volontaire. Donc je vais commencer simplement par appliquer la couleur la plus foncée sur les zones d'ombre de mon liquide. Puisque le liquide, s'il est un petit peu teinté et un petit peu transparent, il y a quand même des endroits... à partir du moment où il est un petit peu teinté, il y a des endroits où il est forcément un peu plus foncé. Puisqu'il y a la paroi du verre qui fait un petit peu ombrage. Et c'est ce qui va donner en fait la présence du liquide. Surtout que là, on n'a pas la démarcation du liquide. Des fois, on a la démarcation et c'est ainsi qu'on peut le voir. Mais... quand on ne l'a pas, il faut le représenter. Donc en général, les parties les plus foncées sont contre les surfaces du contenant. Donc j'applique tout doucement, hein, toujours en effleurant. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Procolor, parce que qu'on appuie ou qu'on y aille en effleurant, on aura la même intensité. C'est vraiment un crayon à mine dure, donc c'est pas le crayon avec lequel on va réussir à saturer le papier au premier passage. Donc là, et là, quand je colorie, et ben je repasse simplement sur mes éléments qui sont censés être dans l'eau. Donc attention, parce que cette fleur là, elle est à l'extérieur du bocal, donc elle, je ne repasse pas dessus. Mais tout ce qui est dans le liquide, je repasse simplement dessus, sans me préoccuper, comme s'il n'existait pas. Voilà, j'oublie leur présence, et donc ça va mettre une couche de couleur par-dessus, tout simplement, une couche de couleur très fine, ça ne va pas masquer la couleur. C'est pour ça que moi, je ne veux pas le faire avec des crayons trop gras, parce que les crayons trop gras souvent ont tendance à recouvrir et non à se superposer. Donc j'applique ma première couche, j'hésite pas à faire plusieurs couches s'il le faut, hein,
Si le papier est bon, normalement, on peut passer plusieurs couches. Désolée pour le pied qui bouge. Comme toujours, quand j'allume la caméra, les deux bestioles sont en train de faire la sieste. Et au moment où j'allume la caméra, elles se réveillent et elles se chamaillent et elles tapent dans le pied. Je me suis habituée, moi. J'ai arrêté d'essayer de tourner quand ils ont décidé d'être calmes. Allez, attends-toi. De toute façon, même s'ils sont calmes, ils vont se réveiller. Je disais, donc voilà, j'applique, je commence mon dégradé, donc de la partie liquide. Je pense que je vais faire un vert, la partie vert bocal contenant, je vais la faire d'une autre couleur, pas bleue, pour justement éviter qu'il y ait trop de différence. Je suis vraiment désolée pour les bruits des chats. Je sais plus quoi faire avec. Faudrait que je filme dans une autre pièce. Surtout que là en plus c'est une vidéo que je ne peux pas reprendre puisque ça y est j'ai commencé à mettre en couleur le vert. Donc voilà, je pense qu'ils le font exprès à chaque fois. Je ne vois que cette explication. Voilà. Là ici nous avons la partie un peu resserrée et on peut imaginer que la surface de l'eau est cachée par le ruban. Donc je vais aussi commencer à ombrer un petit peu à ce niveau-là. Donc je ne fais pas intégralement tout mon dégradé, je ne fais pas tout mon... Comment ça s'appelle ? Je ne remplis pas tout mon bocal avec cette couleur, toute la partie haut. Hein. Je fais vraiment de manière à faire un dégradé léger. Puisque de toute façon, après, on ira prendre encore une autre couleur. Donc là, ça me semble correct pour ma teinte la plus foncée, donc je vais revenir après faire une autre couche avec ma teinte la plus claire. Je suis désolée, là il me fatigue vraiment les deux là. Je vais mettre pause. Excusez-moi. Donc je disais, là, je viens appliquer donc ma deuxième couleur. Donc pareil, en recouvrant toutes les parties qui sont censées être dans le liquide. Donc les petits cœurs, les queues de fleurs et tout ça. Donc voilà, je reprends mon dégradé tout doucement, en couche par couche. Toujours sans appuyer, parce que l'idée n'est vraiment pas de saturer le papier, parce qu'on va mettre vraiment beaucoup de couches de couleurs. Enfin, beaucoup de couches de couleurs, façon de parler, mais voilà. Là, vous voyez, j'ai déjà deux couches pour la tige, je rajoute encore deux couleurs pour le liquide. Donc, si je sature trop vite mon papier, clairement, je pourrais pas avoir l'effet. Donc, c'est pour ça que je privilégie les crayons qui ne saturent pas trop vite le papier et je n'appuie pas non plus. Voilà, c'est pour ça que moi, l'effet vert, l'effet transparent, c'est vraiment un effet que j'aime beaucoup parce que très adapté à la technique du couche par couche. Comme vous savez, moi, dès qu'il faut utiliser l'appui, je suis pas à l'aise et j'obtiens pas un résultat qui me plaît. Et donc, je sais pas si vous voyez, mais là, en utilisant donc ma couleur très claire, qui est à peine visible en vrai, si vous ne me voyez pas passer le crayon, vous vous direz juste que j'ai rien posé. Mais en fait, elle va blender un petit peu les couleurs qui sont déjà présentes et ça va un petit peu flouter également les traits de ce que j'ai déjà fait et mélanger un petit peu les couleurs. Je sais pas si c'est très très clair ce que je dis, mais je trouve que ça se voit un petit peu plus au niveau des tiges. On voit que les pigments verts du coup sortent un petit peu des traits que j'ai fait, mais de manière plus naturelle. C'est pas comme si moi j'avais débordé ou autre. Non, donc ça blende un petit peu et quand vous mettez des tiges dans de l'eau par exemple, vous voyez bien que les traits ne sont pas très nets, sont plus floutés. Donc c'est pour ça que là j'ai vraiment voulu des couleurs très très pâles. L'idée n'était pas d'apporter une couleur, un petit peu forcément puisque voilà, je veux représenter le liquide, mais l'idée est vraiment de flouter les différents traits qui sont à l'intérieur du liquide pour rendre le côté un petit peu plus naturel de l'effet de transparence.
Alors bien sûr, on aurait aussi pu considérer que mes tiges n'étaient pas dans du liquide, et dans ces cas-là, j'aurais attaqué directement l'effet vert, et j'aurais eu un effet un petit peu similaire. Comme vous le voyez, on a des petites bulles blanches, enfin des petites bulles dans le liquide. Alors moi, je les laisse de la même couleur volontairement, parce que si jamais je voulais les faire en blanc, c'est pour ça que j'ai fait un petit lapsus avec bulles blanches. Si jamais je voulais les faire en blanc, eh bien, je serais obligée d'utiliser un crayon gras qui va saturer le papier à cet endroit, ou alors si j'utilise mon stylo gel, etc., elle se retrouverait forcément par-dessus le vert. Donc, c'est pas grave, elles sont là, elles sont présentes, elles sont matérialisées par le trait noir. Peu importe si elles sont pas d'une couleur différente ou autre. Donc voilà, là j'ai mon effet liquide. Et donc je vais passer au deuxième effet, donc l'effet vert. Donc là maintenant je vais mettre en couleur le flacon. Donc comme j'ai mis un liquide plutôt bleuté, je vais passer sur un flacon plutôt vert. Donc pour ça, je choisis une teinte de vert. Donc je vais prendre ces deux teintes là. Donc j'ai pris le, je vais pas le prononcer, Spruce Green, quelque chose comme ça. Donc la teinte 42 et le Distant Green, le 43. Donc pareil, hein, si vous n'avez pas les Procolor, c'est pas grave. Donc c'est ce vert-là, donc un vert un peu foncé, un peu bleuté quand même. Et ce vert très très clair. Et je vais reprendre un peu la même technique. Donc là, je vais faire toutes les parties en vert. Donc avec le plus foncé, bien entendu, je viens marquer les ombres, mais de manière très légère. Hein, je cherche pas à avoir quelque chose de trop trop prononcé. Ça reste une texture qui doit rester transparente. Donc je viens marquer des ombres très légères en effleurant délicatement mon papier avec mon crayon. Tout simplement. Alors ici, il n'y a pas de transparence parce que c'est le rebord et on peut considérer que le rebord est suffisamment épais pour marquer la coupure. C'est pour ça que là, je ne m'embête pas avec la transparence et d'ailleurs, elle n'a pas dessiné la transparence elle-même non plus. Donc là, oui, je m'embête pas avec le côté transparent, mais j'essaye quand même de garder quelque chose de pas trop... Voilà, là, on sent que j'ai pas voulu faire quelque chose de transparent. Ça l'est un peu, là, c'est opaque, mais j'essaye de garder vraiment quelque chose de léger pour garder l'esprit translucide, transparent du vert. Donc je viens marquer mes ombres aux endroits où il me semble correct qu'il y ait des ombres. Et pareil, hein, comme tout à l'heure, sans me préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Je recouvre tout simplement tout ce qui... comme s'il n'y avait rien dessous, en fait. Je recouvre ma surface sans me préoccuper des couches précédentes. Excusez-moi, j'ai encore dû m'interrompre. Bon, puis maintenant, il y a ma machine à laver qui s'est mise en route. Bref, c'est pas grave. Je disais, oui... Je sais plus. Je disais que voilà, je colorie en fait ma surface sans me préoccuper des surfaces qui sont en dessous. Donc c'est-à-dire que là, moi, je colorie ma face de vert et ce qui est à l'intérieur est déjà mis en couleur. Donc peu importe. Et là, donc le pourtour, je le fais toujours un peu plus épais puisque c'est là où il y a les bords et que en général. Le vert est un petit peu plus épais, donc il y a un peu moins de lumière qui passe. Quand on regarde un vert, alors c'est pas plus foncé au niveau de la couleur, mais on voit quand même une légère différence, donc c'est pour ça que moi je le fais plus foncé. Quand on regarde un vert, oui, tout simplement, par transparence, les bords paraissent plus épais, plus opaques. Donc moi c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu plus foncé, mais après... C'est ma manière de représenter le pourtour, tout simplement. Et toujours pareil, hein, sans me soucier de ce qu'il y a dessous. Voilà.
Et ensuite, je viens prendre ma couleur la plus claire et je viens tout simplement... Alors là, elle n'a pas dessiné l'arrière du vase. Bon, c'est pas grave. Moi, je viens quand même y mettre une petite pointe de couleur. Ça harmonise un petit peu. Et ensuite, je viens tout simplement blender mes ombres que je viens de faire avec ma couleur la plus claire. Et normalement, à la fin, on aura vraiment l'aperçu de toutes les teintes avec un effet vert plutôt réaliste. Donc là, pour blender, j'essaye quand même de suivre le mouvement du vert. Il est un peu arrondi. J'essaye quand même d'y aller en suivant le mouvement du vert. Et je repasse bien sur tous les éléments sans me préoccuper du tout de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent. C'est pour ça que je préfère privilégier des couleurs qui sont bien bien claires pour les effets verts, puisque comme ça, ça permet de vraiment avoir le côté blender sans apporter trop de couleurs. Ça en apporte un petit peu, comme vous voyez, il y a une différence entre ici et ici, mais voilà, je ne me retrouve pas non plus avec des couches et des couches de couleurs. Là, je l'avais fait... Alors, où est-ce qu'il est ? C'est sur la fin, je crois. Là, vous voyez, je l'ai fait, j'avais la sucette qui était d'une couleur, enfin de deux couleurs. Ensuite, le liquide, j'avais mis deux couleurs aussi. Et ensuite, j'ai rajouté un bleu foncé. Ça fait un peu trop de couleurs, je trouve. Enfin, personnellement, il est présent, surtout quand on voit au niveau de la tige. Je trouve qu'il est plutôt réussi au niveau de la tige de la sucette. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu trop de couleurs, un peu trop d'informations. Pourtant, j'ai essayé de prendre un bleu pas trop foncé. Mais voilà, ça, c'est un effet vert qui fonctionne mais qui me plaît pas plus que ça. Puis bon, en plus je l'ai fait avec les artésas et franchement les artésas pour couche par couche, c'est pas ça. On voit toutes les traces à la fin parce que le papier était saturé. Donc voilà, selon ce que vous voulez, essayez de privilégier quand même un crayon qui soit assez clair pour la dernière couche, la couche du vert, puisque il va être juste là pour blender et non apporter trop de teinte, et surtout essayer de prendre un crayon qui va pas faire trop de traces, parce que franchement ça, c'est pas très beau hein. Le vert c'est lisse, c'est transparent, c'est translucide, même quand ils sont de couleur il n'y a pas de traces dans du vert. Donc voilà, après voilà, comme je vous dis, j'essaye de suivre la forme du vert, mais je vais quand même un peu dans tous les sens puisque mon but c'est vraiment de blender dans tous les sens. Et à la fin, vous verrez qu'on a vraiment l'effet flacon qui est de l'eau dans le flacon. Enfin, en tout cas, du liquide. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a mis dedans, on s'en fout. Mais il y a vraiment du liquide et on a vraiment le vert aussi qui est présent. Enfin, le vert. Oui, le vert, je l'ai fait en vert et l'eau, je l'ai fait en bleu. Donc, voilà. Mais on a le contenant, le contenu et ce qui trempe dans le contenu. Et voilà, c'en est terminé pour mon petit effet de transparence. Donc là, c'est un effet de transparence que je vais laisser comme ça. Je pourrais, si je voulais, rajouter une petite fine couche d'aquarelle légèrement, légèrement nacrée et bien translucide. Parfois, je fais ça, mais là, j'ai pas envie parce que ça irait pas dans l'esprit que je veux de ce colo très champêtre, très nature. Mais voilà, vous savez, sachez que vous pouvez ajouter également une petite couche d'aquarelle nacrée par-dessus pour donner un petit côté brillance en plus au vert, en tout cas au contenant. Moi là, je ne vais pas le faire parce que je veux vraiment le côté naturel champêtre. Donc ça me convient très bien comme ça. Et vous voyez qu'il y a une différence entre les tiges qui sont ici et qui sont censées tremper dans le liquide et la fleur et la tige qui est ici, qui sont à l'extérieur du bocal. Et c'est la superposition de couches et de blendage du coup avec des couches très claires.
et d'ajout de couleurs, hein, bien sûr, parce que j'aurais juste blendé avec un blender, ça n'aurait pas donné le même effet, et d'ajout de petites couleurs différentes, très légères, qui donnent cet effet de transparence et donc de profondeur à mon contenant, et à mon contenu, bien entendu. Voilà, c'est terminé pour ce petit tuto. Je suis vraiment désolée pour les bruits de fond liés au chat et à la machine à laver. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. J'essaierai de masquer au maximum avec de la musique, si c'est possible. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !